Il est partout. Ce drapeau dépasse le cadre du simple étendard pour devenir un véritable logo. Mais d'où vient-il? Au 14e siècle, le Saint-Empire romain germanique règne sur la Suisse. En 1339, lors de la bataille de l'Open contre les Habsbourg, les troupes suisses décident de porter une croix blanche peinte sur la poitrine pour se reconnaître sur le champ de bataille. Mais pourquoi cette croix? En référence à une croisade en Terre Sainte? Et ce rouge? Est-ce le symbole du sang du Christ? Mystère! Ce qui est sûr, c'est que le drapeau suisse est carré, car il est à la base un drapeau de guerre. Ce n'est qu'en 1889 que le Conseil fédéral décide de la forme définitive de la croix. Les quatre branches seront 1/6 plus longues que larges. Et dès le 1er janvier 2007, la couleur définitive sera le rouge Pantone 485. Il était temps!